Dieu seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc nous, les chrétiens qui sont convertis par la prédication des apôtres et des premiers chrétiens, pas oublier, ce n'est pas seulement les apôtres qui prêchaient, c'était les leaders, c'était les apôtres, mais les témoignages qui prêchaient. Tous les chrétiens qui rendent témoignage. Et par conséquent, on a tous qui nous convertis. Et ça finit de continuer jusqu'à nous aussi. Nous nous gagnons la parole de Dieu prêchée par d'autres. Maintenant, nous devons prêcher à d'autres. C'est pourquoi ça, la prière, elle concerne tous les chrétiens de tous les temps. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais content, je viens prier pour nous. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, tous les chrétiens, afin que tous soient un comme toi. Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'ils obtuvent un chrétien là, un disciple là, afin que l'Église, Ensel, et corps, comme l'apôtre Paul pour souligner ça, tiens, dans ce magnifique. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Vous voyez, le mot-clé, c'est un. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, il y a une petite chose qui désigne de nous, qui bondit, nous donne bien appelé ça la gloire. Ça, la gloire-là, c'est qu'il vous a renoncé à nous, à vous-même, souffert pour lui, crucifié, ou moi, ou nature charnelle, ou la chair, comment on peut dire, pour que la vie de Christ manifesté. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, et cette gloire, c'est le Saint-Esprit qui manifestait puissamment dans la vie de justement celui qui crucifiait la terre et mort par l'Esprit. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. C'est l'unité là. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient pas parfaitement un. Perfectly perfect. Pas vrai? Et quand le monde et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Père Saint, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Amen, c'est le faire. Suis bien attentivement. Alléluia, mon connu, beaucoup de déjà guéri, délivré, pendant, depuis que nous avons commencé, 9h30, hein, jusqu'à maintenant. Et certainement, je suis guéri en cause, je suis délivré pendant la prédication. Le plus grand mystère de l'Écriture, à mon avis, c'est l'incarnation du Logos, l'incarnation de la parole de Dieu. Donc, nos fondations, c'est les Écritures. Et vous pouvez donner l'emphase que Jésus met dans les Écritures. Souvent, au bout de temps, Jésus dit ça, il est arrivé afin que l'Écriture accomplisse. Mon faire ça parce que c'est écrit. Mon faire ça parce que les Écritures bizarres accomplissent. Et c'est terrible, hein, quand c'est l'emphase que Jésus met sur les Écritures. Après, il explique les Écritures. Ce n'est pas une connaissance théologique, disons, intellectuelle. Il dit, les Écritures parlent de moi. Vous sondez les Écritures croyant avoir en elles la vie. Mais non, ce n'est pas en elles qui te gagne la vie. Hein? C'est Jean chapitre 5, verset 40, il dit ça. Et vous sondez les Écritures, Jean 5, 40, croyant avoir en elles la vie. Mais non, c'est elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. C'est bien situé que les Écritures indispensables. Jésus vous dit, de même devant Satan, le diable, Jésus vous dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et donc, tout ce qu'il vous dit, c'est afin que les Écritures accomplissent, ça vient d'arriver pour que les Écritures s'accomplissent, mon frère, ça, parce que c'est écrit.
Et les Écritures, très important, c'est la base de nous, la foi, les Écritures, la Bible. Si vous parliez la Bible tous les jours, vous pouvez être chrétien. Cependant, vous ne pouvez pas croire qu'il dans sa connaissance intellectuelle, la même qui vous gagne rempli ou la tête. Non, ce n'est qu'un step qui amène nous à une affaire plus profonde. Les Écritures en témoignage de moi. Et vous ne venez pas à moi. Donc, les Écritures, depuis première page jusqu'à dernière page, depuis premier verset jusqu'à dernier verset, Paul, une personne, c'est la révélation du Fils de Dieu, frère Jésus, de celui qui en Dieu et sa parole. Et moi, explique tout qui était la parole dans nous, la vie, nous, et comment une parole capable mal compris si nous disons d'y aller et si nous disons, si nous écrit à lire, plus boîte. Hein? C'est pourquoi l'écriture, bien, mais la Bible dit que celui qui lit, fasse attention. Amen. C'est Jésus qui donne la vie. Hein? L'écriture capitale, c'est le fondement. Mais ce n'est pas dans les Écritures qui nous gagne la vie, c'est en Christ qui donne la vie. Un amène à l'autre. L'Écriture révèle Jésus. Jésus donne la vie. Pas un philosophe grec, nous pas pour faire philosophie ce matin, nous pas philosophe nous, nous n'avons pas psychologue non plus, mais nous croyons nous capables d'apprendre des deux. Amen. Il y a plusieurs théories qui se émettent. Que l'homme, hein, etc. Beaucoup trop long, définitivement. Mais il est arrivé à une conclusion que le monde tel qu'il y existait, divisait et n'a la force qui tient en place. Avec des siècles de philosophie, de théorie, un été, le contredire ce qu'il y a de là qui dit. Hein? L'autre amène l'autre contre-édit, et ça finalement, plusieurs l'école de philosophie, gagne, de comme ça va prendre en philosophe, la Platon, Socrate, etc., Aristote, etc., nous base, c'est l'évangile. Mais finalement, avec des siècles de débats, je n'arrive à l'idée que tout n'a pas été capable là. Bizarre, il y a la force derrière qui tient tout en place. Qui amène tout et qui tient tout en place. Seulement pour eux autres, ça la force là, qui servit le mot logos aussi, comment dire, l'impersonnel. C'est une chose, c'est un la force. Hein? Dieu, vous ne connaissez pas, un genre de gravité, un genre de force cosmique. Qui finamène tout et qui nie tout en place. Je ne sais pas si tu expliques ça plus que ça. Toujours est-il que je connais que derrière l'univers, derrière le cosmos, there is at least something impersonnel indéfinissable. Le temps de l'évangile, le temps de Jean, commençait l'évangile, il prend sa terme logos là. Qui veut dire plus que parole. Logos veut dire parole, mais logos veut dire aussi l'idée qui derrière la parole. Comment on les explique ça? Hein? L'idée qui derrière la parole. Picture qui derrière la parole. Il est beaucoup plus qu'il y a une parole, il y a une idée, il y a un concept qui derrière la parole. Pas vrai? Et on montre comment la parole, quand vous écrivez, vous ne pouvez pas à côté. Hein? Hein? Quand vous écrivez, vous passez à côté. Si vous ne pouvez pas du monde là, causer avec ce tone of voice, avec ce hein, et là, un moment que Jésus dit, vous pouvez aller à cesse de l'été, ou de quoi dire, Jésus peut dire, amène l'épée pour la guerre. Non, pas ça que Jésus veut dire. Ou dire l'écriture, pas ça côté, parce que c'est l'écriture, mais c'est l'Esprit Saint, et nous vous comprend. Amen. Si tu m'écris à moi, frère William, on dit, allez, prends-le. Il a de l'épée. À la cité des sables d'Olinie, l'état où il y a ça, l'état où il dit, « Aïe, frère, il dit, tu dis à cité des sables. » Hein? T'as rien, comment est-ce qu'on dit quand il y a cité des sables? Ou l'écrit, ou l'y a un l'état. Et si tu t'en vois, causer les mauvais mon Dieu, petit le sable, tu le parles, mais alors, qu'est-ce que ça va faire? On finit qu'on pense, c'est une ironie qui m'a payé à toi. Pas vrai? Hein? Comment dire, on dit, mais c'est bien la théâtre. Hein?
Toi, tu veux de la guerre, moi, je ne veux pas la guerre. Toi, tu veux de la guerre, moi, je ne veux pas la guerre. Toi, tu veux de la guerre, moi, je ne veux pas la guerre. Finalement, vous avez entendu la guerre, c'est la guerre, c'est. L'État de l'Éclave, il nous a fait faire William qui dit la guerre. Est-ce que vous comprenez? À cause de ça, même un lot, un parole, si vous ne pouvez pas dire la cause, ou pénasser, ton envoie, etc., ou passer à côté. Vous pouvez vous demander, allez, nous allons dire plus que ça. Donc, une parole écrite, c'est plus qu'une parole écrite. C'est tout un concept, c'est tout un. On goûtait derrière, oh, l'État apôtre aujourd'hui. Au commencement et pour l'appel, et pour avec Dieu, quel est le sens d'orientation vers Dieu? Ça commence un boomerang, il retourne vers où? Mon parole retourne à moi sans de faire ça. C'est bon, Dieu, parole, il retourne vers lui. Quand je dis d'une vérité, je m'en sors là, oh, mon papa, finalement, moi-même, on pourrait retourner vers lui. C'est quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est le logos de Dieu,
c'est le Verbe de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est une personne réelle, éternelle, comme Dieu, qui cependant ne peut pas décider de faire par lui-même. L'ange, dans l'Ancien Testament, il apparaît comme l'ange de l'Éternel ou bien l'ange de sa présence. C'est différent de tout un ange. Quand Gabriel vient de dire je suis, quand Michael vient de dire moi, l'Éternel, quand l'ange de l'Éternel apparaît, il dit moi, l'Éternel. L'Éternel, c'est le Père, même lui. L'Éternel, c'est le Père, moi, je vais vous dire dans l'Évangile. Le Père m'a envoyé, tu m'as envoyé, je viens de la part du Père. Et le Père, c'est quand tu m'as envoyé. Quand l'ordre de l'Éternel paraît, lors de sa présence, une théophanie, un Christophanie plutôt l'Ancien Testament, le Père, c'est que l'on vient l'Éternel, il peut venir l'Éternel, il peut venir l'Éternel. Il vient l'Éternel sans être sa Père qui ne donne ni l'au-delà, mais il y a deux personnes qui verront celle. Celui qui concevra tout. Nous sommes la personne solide. C'est lui qui a ce truc-là. Et pourquoi il va faire la loi? C'est ça, lui, qui va faire le négoce là, qui contrairement à un code qui croyait quelque chose d'impersonnel, c'est une personne et c'est une personne qui avec Dieu. Oui, le grand mystère, c'est que ça, le négoce là, ça parle de vivant de Dieu là, qui est le fils de Dieu, qui est le ciel avec Dieu, qui t'a décidé. Lui-même, mais qui fait tout cependant, tout le suite par là, qui fait ce mystère-là, possible, c'est sa troisième personne qui doit aller. L'esprit du Père et l'esprit du Fils, le Saint-Esprit, c'est dans le mystère que les trois sont un. Si on n'est pas le Saint-Esprit, comment sa liaison là tu peux faire? Mais c'est ça dans Holy Trinity. Amen. Un seul bon Dieu. Et alléluia. Maintenant, comment le Saint-Esprit là-dedans vous mettez? Amen. Là, l'Évangile commence prêché par Jésus-Christ et par les apôtres. Alors, ça, les apôtres, et surtout Paul, et les écrits de Paul, un nouveau type de choses apparaît. Qui casse tout ce qui va être le gars, tu peux dire, et qui va être beaucoup plus loin. Qui veut proclamer? Qui veut proclamer? C'est Dieu lui-même révélé. C'est quelque chose qui jamais titan de avant ça. Tous les grands philosophes grecs jamais titan de ça. Quand le Dieu c'est une personne, mais c'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui se révèle. Alléluia! Amen! Et là, c'est quelque chose de. L'évangile bouleverse tout. C'est une autre idée qui vient, qui est beaucoup plus loin, que tu as l'air de le dire. Mais c'est une personne, et c'est pas n'importe qui, c'est l'émanation de Dieu, c'est comme ça le soleil qui envoie son rayon, rayon soleil, soleil, il y a une selle, parce que rayon l'a sorti en soleil, le soleil n'a pas venu de la terre, là où vous priez, vous me dites, est-ce que tu étais la même, c'est même envoie le soleil, il envoie ce bon rayon, il a commencé à prendre le soleil, ce bon rayon, c'est Jésus, mais comment vous avez rayon au soleil, mon camarade, pas tout à part, mettez un panneau solaire, là où vous servez des petits toits, répondez aux questions, alléluia, amen. Et le bon sens, c'est ça, c'est le bon sens, c'est personne, une personne, il pensait de réfléchir, il causait un sentiment, il va rire, il ne va pas pleurer, il ne va pas souffrir. Amen. Bien. Le bon sens, c'est la terre, il est incarné comme un homme. Ça, c'est le grand mystère. Le mystère de mystère, qui personne n'est capable d'expliquer, ni les prophètes de l'Ancien Testament. C'est ça, ils comprennent de ne pas comprendre. Vous prophétisez, madame les autres prophètes, pour prophétiser, avec un petit penchant, et pour appeler Emmanuel, Dieu avec nous, oui. Même les apôtres, on a deux apôtres qui sont très, très, très près. Il y a l'apôtre Jean, lui-même, et puis, déjà l'apôtre qui n'a pas. Il y a l'apôtre qui me comprend, hein. En tout cas, il y a l'apôtre qui me comprend, qui m'en. Ça vous commence à 12, là. Je suis venu d'un c'est un autre qui est mais c'est un verre que tu comprends, je dis. Mais c'est toi qui l'as fait très près, c'est la tête de Jean. Et puis, c'est dans le point Jean aujourd'hui. Et puis, la tête de Paul qui explique le Christ, l'incarnation.
le Christ dans l'éternité et l'incarnation. Comment l'Ivin Ntibaba? Quand l'Ivin Ntibaba lui prend le corps sans un papa, juste maman Pucelle, Saint-Esprit saisit sa Marie-là et Ntibaba formé. L'inode grandit. Il y a un âge de 30 ans pour commencer au ministère, pour être crucifié à la croix, et inexplicable. Un fathomable, en anglais, il n'est pas capable de comprendre le Fils de Dieu. Et pourtant, il faut même l'école, il attend l'école là, grandit. Quand l'école là, tu te grandis. Le Père n'est pas lui-même, c'est tout par le Christ. Et le Christ a décidé, non, c'est le Père qui décide tout. Pour la deux personnalités, un décide tout, lui va faire l'ornier, l'autre, il va tout dans le site d'ornier. Les deux sont un par le Saint-Esprit. Comprends-tu ça? Parce qu'il comprend. Inutile, ce qu'il comprend, puis moi, pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais c'est le côté. Tout, Babala, puis en disant sa bataille, et il y avait tout Babala. Mais le gosse pas en théo, tu vas balader. Oui, en théorie, en théorie. Mais en théorie, tout en étant en ligne. Quand il gagne 12 ans. Il en théorie, tout en étant en ligne. Il y a une scène avec lui. Amen. Je suis un peu plus bien, par rapport à toi, par connaît. Amen. Alléluia. Et là, il commence son ministère. Il cause. Et agir. Et quand il causait, il montrait qu'il s'en papa, qu'il chie. Il tire dans le ciel avec papa là. Il est en ciel avec papa là. Il descend papa là, il envoie lui. Et il dit à sa papa qui est dans le ciel, il envoie moi là. Il est avec moi là. Il est en moi là. On peut comprendre ça. C'est papa qui dans le ciel, il a envoyé mon nez là, motivant aux autres là. C'est papa qui dans le ciel là, il est avec moi là. Et c'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Parole qui me dit aux autres, moi, pas dire lui par moi-même. Moi, pendant l'école, on apprend dans le collège biblique, dans l'école rabbinique, dans l'école, dans la synagogue, et Koumazot, là, Koumazot. Mais mon papa, donne-moi un papa. C'est un papa omniprésent, un papa toujours présent, qui croit dans le ciel. Vous ne pouvez pas faire un bon Dieu. On a remis bon Dieu dans la grotte. Bon Dieu, dans le ciel, on ne peut pas faire un lit tout présent. Le trône dans le ciel, il y a sa papa là, il y a avec moi. Toute parole qui me dit, ne pas dire de moi-même, comme venant de mon intelligence, un enfant, un professeur fait ça. Il y a l'école primaire, secondaire, il y a le collège, il y a l'université, il y a un MBA, doctorat, et plusieurs doctorats. Là, il est venu, il raconte, il explique ce qu'il dit là. Mais c'est là, tout. Jésus a dit ça, il dit tout ce qui me peut dire, je, mon papa, donne-moi lui directement. Avec moi là. Avec mon papa, une selle. Celui qui ne fait pas un papa. Celui qui fait un jeune papa. Ou pas le crucifié, lui, frère. Elle s'est posée lui-même. Comment est-ce que tu as fait cette crucifixion là? C'est lui qui te montre tout ça. C'est papa qui l'a envoyé. Moi qui donne le sel à l'île là, il y a moi. Il y a un homme qui fait la tout ce qui me dit, c'est lui qui donne moi. Et c'est ce travail là, c'est son esprit qui fait ça. Amen. Et là, nous gagnons un phénomène, nous gagnons quelqu'un qui dépasse tout prophète, frères et sœurs. Donc, résumons. Jésus, sur la terre, c'est Dieu. Manifesté. Parce qu'il est là avec lui et en lui, un unique qu'il n'a pas capable d'expliquer. Amen. Et petit Dieu est sorti, qui touche dans la tête, c'est tout Pierre. Parce qu'il peut vous convaincre, c'est pas pour la révélation du mystère de Christ que ma personne ne peut gagner, mais il est parti là. Et les enfants qui Pierre et qui Paul Péna. Et les enfants qui Paul et Pierre Péna. Qui peuvent la révélation du Christ préincarné du Christ dans l'éternité. Et c'est pour une connaissance qui Paul et du Christ
avant la croix, depuis dans le ciel. C'est tout ça, Jésus-là a été Paul. Mais Pierre donne le pasteur, Pierre qui mange avec lui. Ce n'est pas un miracle qui ne fatigue pas. Vous voyez qu'il ne fatigue pas? C'est qu'il ne fatigue pas et dans la tête, number one, ça Jésus-Christ là, lui comme tout. Amen. Tout, les gens avant qui, Philippe, quand tu es là, quand tu es en bas, figuier mon petit tout, quand tu es en bas, c'est la personne, hein, 1 kilomètre, 2 kilomètres, avant, tu es là, mais tu es absolument tout seul, mon petit tout, toi, et c'est là, vous venez de dépenser tout. Amen. Quand si madame là peut verser sa base vers sa paternelle au Jésus, c'est que vous pouvez penser, Jésus connaît. Jésus qui connaît dès le commencement qui vit à ce carrière pour trahir. L'une chasse, l'une trésorier du groupe frères et sœurs, avec une grande responsabilité, tout ça. Jésus lui jamais fait une suite. Et je pense que c'est à nous qui fait ça. N'oubliez. Mais sinon, Jésus comme absolument tout. Et c'est bien sûr. Parce que tu penses qu'il fait. Il dit, qui fait un peu la même pensée là dans votre lecture? Qui fait un peu de qui fait un peu tout ça? Amen. Et il dit tout. Allez, je pourrais rencontrer quelqu'un, elle doit le suivre, lui rentre dans la case là, et je trouve quelqu'un, je dis à lui, le maître vient lui faire ça bas. Toi. Amen. Allez te goûter un anatassé avec un anon, détache-le. Si quelqu'un dit à toi, dis-le comme ça, et le maître en a besoin. Jésus comme tout. Il y a beaucoup d'exemples encore, on arrête la même. Ça frappe bonne. Quelle manière où j'en ai un petit monde, ou capable d'avoir une petite prémonition, un petit prophète subondien, un éclair ou un petit guide. Ça va. Les prophètes étaient comme ça. Ils devaient prophétiser. Il y a des événements 100 ans, 700 ans, 300 ans. C'est prophétisé. Comment tu prophétises 4000 ans avant? Je veux le Seigneur venir avec ses 5 milliards. Et le temps Jésus veut retourner. Donc, et nous traverse tout l'histoire, tout, la croix, la résurrection, tout le monde de l'Église, tout. Et nous tout le Christ est venu avec ses 5 milliards de vie, tout la fin. Et nous tout la fin dès le commencement. Donc, je veux prophétiser. Mais pas comment ça n'a. Ça n'a rien dit comme tout. Tout le monde connaît. Tout le monde aussi le connaît. Nous, il est régné trois fois, coq santé. Jésus. Quand tu l'as fait, montagne, hein, comme la sienne, eh bien, Pierre comme Pierre a répondu. Jésus savait. Ça, c'est toujours. Il te connaît tout. Bonjour. Ce qu'il dit arriver, frères et sœurs. Oh, tu peux avoir des miracles, ça finit tous sauf. Je connais un monde du bonjour différent de tous. Et frères et sœurs, c'est le logo incarné, c'est l'incarnation, pas capable d'expliquer. Et nous lire quelques versets maintenant, s'il vous plaît, nous. Donc, alléluia, c'est un peu comme une. Nous devons dire qu'il y a Jean 6, 38. Le Fils de Dieu. Vous pouvez comprendre quelque chose d'extraordinaire qui vous a compris d'ailleurs avant. Jean 6, 38. Quand je suis descendu du ciel, number one, personne ne descend du ciel. Tout petit là, grand-père qui là, après papa fin là, après maman fin vini, il est là, tu qui inné. Avant tu qui inné, tu qui suis zéro. Tu qui pas t'exister.
Oui, j'ai resté dans la pensée bon Dieu. Là, tu vas dans le thèse. Oui, j'ai resté dans la pensée bon Dieu. Ce nom est écrit avant la fondation du monde dans le livre de vie. C'est une autre affaire, ça, hein? Bon, le saint. Mais nous, nous connaissons en bas de toute façon. Hein? Bien, bon. Quand moi, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, il y a où là, hein? Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et n'aime qui est la volonté, et n'aime qui fait la volonté là. Mais je suis descendu du ciel. 6,62. Même ça pique. Verset 62. Verset 62. Et si vous voyez, et si je t'y prends, suis-moi bien, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, qui s'en a pas dit ça? Moïse n'a pas dit ça? Qui s'en a pas dit ça? Hein? Vous pouvez faire tout ce qu'on fait, etc. Hein? Qui est capable de dire ça? Qui est capable de dire ça? Qui avant mon dessin? Un seul qui est capable de dire ça? Jésus-Christ. Donc c'est un phénomène qui est devant nous. Chapitre 3, verset 13. Christ parle de ce l'éternité lui-même. Personne. Faut qu'il monte jusqu'à la lune, après que tu n'as jusqu'à mort. Après, je suis promené dans le ciel, et même retiré, tourné, et même perdu. Et pas plus que ça. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel maintenant. Mais pour qu'il explique ça, moi, je comprends du monde qui dit personne pas de monter si ce n'est celui qui ne descend, le Fils de l'homme qui maintenant qui vit aux autres et qu'aux autres là, il est dans le ciel. Et il dit ça, papa qui me dit aux autres dans le ciel, il a dit au moins il est là. Donc, dans le mystère extraordinaire du Fils de Dieu, frères et sœurs, qui bon Dieu avec lui. Amen. 10-30, après nous allons être dans les affaires plus divines. Toujours donc. Jésus. Ce qui me le montre aux autres quand il dit l'eau, la terre, un seul point. Sa bon Dieu qui dans le ciel fin avec lui, la ligne descend du ciel pour prendre l'écho là. Sa bon Dieu là qui avec lui 100%. Vous avez dit 201 million % aussi. Dieu qui avec lui totalement. Il n'était pas seulement envoyé de Dieu. Il était un seul avec Dieu. C'est pourquoi la femme criait, mon Dieu, Elohim, la mort, sa bataille, ça c'est un autre mystère. Et moi et le Père, nous sommes un, c'est ça? Moi et le Père, nous sommes. Je vous disais ça aussi quand Philippe vous dit montre-nous le Père. Depuis longtemps, tout le Père est en nous. Abba. Montre-nous Abba là. Il n'y a pas déjà montré Abba. Celui qui ne trouve pas, il trouve Abba. Moi, tellement une manifestation exacte du Père. Jamais ne dire moi-même le Père. Si le Père a suivi en personne, il ne va pas faire rien de plus ou de moins que Jésus. Rencontrer Jésus, c'est rencontrer le Père. Le Père se manifeste, bon, il n'est pas le Père. Mais quelle qualité de l'union en. Vous avez un démon là. Démon en tant que being, personne. Vous avez plus qu'un démon. Hein? Quelle qualité est, what kind of being, je suis capable d'être pour un. Pourquoi pas dire tel Père, tel Fils, jusqu'à qui point? Allez, jusqu'à ce. Le Fils, il a sa personnalité. Pour lui, il a trois garçons, quatre filles. Je te ressemblais, tu es un petit peu de papa, maman là-dedans, il a dit comment ce papa a dit, quand la musique, moi je vois pas, il a dit il a sous la voix, ce papa, tout. Et je te dis que je vais aller, je ne peux pas, moi, je ne peux pas, 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 mais c'est ça qui prend. Comment ça se le Père, ça jamais trouvé ça. De telle façon qu'il dit, moi, que le Père, nous sommes un. C'est une union extraordinaire. Et quand Jésus, pour guérir quelqu'un, le Père fait que Dieu lui guérit, ça. Quand le Père guérit, ça n'a plus que ça, le Père Dieu lui. Jusqu'à ce point-là, Père lui dit, oui, jusqu'à ce point-là. Believe it or not. Sa parole, sa mouvement. Quand le Seigneur lui tous les apôtres, y compris le verset quand la veille, le Père finit de dire, oui, choisir lui aussi. C'est ma volonté qui te soit servie. Et le Père te soit servi. Le Fils te soit servi.
C'est ainsi, le Père et le Fils sont un. Amen. Alors là, et nous trouvons un mystère extraordinaire, et nous sautons, nous venons dans la deuxième pensée. Nous, l'unité avec Christ, et vous priez, nous disons ça au commencement. Nous priez toi pour pareil comme toi, toi en moi. Moi, moi, je pensais. Et on a deux affaires dans sa l'unité là. Une cause d'unité, pas une seule pour cause d'unité. T'as l'air, je t'aime, c'est l'unité dans l'église. Et on fait ça. Aller dans fait ça, je peux l'unité. Moi, moi, pas pour cause de là. Beaucoup. Amen. Et une cause d'identité avec Christ, c'est que ben, tiens, hier. Et frères et sœurs, ça l'unité qui devient là entre nous là. Nous comptons pas tout content, nous comptons lui. Content le plat, nous tout comptons nos camarades. Mais nous parlons d'amour émotionnel seulement. Et là, l'émotion n'est pas juste émotionnelle. C'est beaucoup plus d'émotion. Par contre, si tu connais nuit ensemble, donne-lui à manger, nos pas quoi, il y a l'émotion là. Hein? Il faut que tu tombes dans un grand coup de balle, t'as l'air là. Tu vas te liser. Parce que lui, il tombe dans un grand coup de balle, tu connais l'histoire, il vient vous casser, t'as l'air. À cette tantôt, il y a un récit sapé. Et j'ai acheté un mot gagné. Ça fait tout, nos femmes, nos petits, nos tout, tout ici. Tout le monde, c'est l'évangile. Tout petit, il y a l'île là-dedans. Tout soin, s'il vous plaît. Dernier tizi qui est là. Hein? Et la moitié, pas de ta passion. Tout donne libre à ça à ta. Mais il y a l'émotion là. Pourquoi il y a l'émotion? Car il y a après. Donc, dans l'amour, il y a l'émotion, mais nous trop émotifs. Le principe vite nous. Et dans la frustration, il y a beau. Vous connaissez l'homme de Dieu, le serviteur, le servant de Dieu. Il y a l'émotion qui dépasse ça, il fait ce qui est bien. Amen. Il donne ça l'émotion là. Nous trouvons Dieu. Amen. Et la discipline, ça fait un mot. Allez, comme ça, tu es émotif. Mais c'est un gros frère. Ça c'est l'unité, mais l'unité là n'est plus que ça. L'unité c'est tellement l'idée de l'émotion. C'est pourquoi quand fiancé ou bien mari, femme, dit ou le père fait, ou dit on a un gros problème, on peut confesser ça ou on n'a plus sentiment rien pour lui. On vient poser les mains. On va prendre un calotte. On peut sentir dans le La nuit, c'est le présent quand il se met ailleurs. Dada. Annie, là, elle a un autre. Comment dire ça? C'est vrai. Nana, tu crois qu'il a lissé dans l'air et l'autre? Hein? 15 et 15 et demi. Les petits comme toutes choses. J'ai une grande, j'ai une mariée. À cette 18 ans, on va la marier 20. On va la dire pas pressé de marier. Elle a dit qu'on va marier aussi. Elle a dit marier 28. La nîmes récent, nana. Le temps du mot. Ah oui? Et quand nana mot 90 ans, nani est nana mot content du coup. Hein? 80. 3 pour 86, 87 pour là. Très déploré. Et, ça me donne déjà. Tu connais mon épée, sorti dans le public. Pas sorti d'une sortie après. Ça, l'autre affaire, c'est pas nous. C'est pas nous thème, ça. Amen. Do something, you will feel again. Vous voulez dire ça? Do something, you will feel again. Amen. On a vu souvent, rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Allez. Jacques Brel. L'amour est un commandement. L'amour aussi. Whether you like it or not.
Donc ça, c'est une l'unité entre nous. Et là, si le monde consent, nous devons dire oui, il n'y a pas de rien de plus. Quand le monde trouvait qu'il n'a pas trouvé de compte en moi, nous comptons nous. Enfin, quand le monde trouvait que le Christ est un avec moi, pareil comme papa est avec lui. Et là, le monde pourquoi? Donc, ce n'est pas une vague de choses d'amour qui ne peut être plus tard. Ça, c'est vrai, ni n'est pas vrai, mais autre chose. Je veux dire, si on les aimait, c'est comme cet homme de Dieu. Amen. Ce qui veut dire arriver. Amen. Et je vais vous donner un rapport qui se donne aux oreilles. Si vous êtes à l'Indiali, ça va le pas dire à moi, c'est pas la liste de la racine d'Indiali. Et qui fait bon, c'est pas à moi. Amen. Identification avec Christ, mon conseil qui dit moi, c'est que dans ce moment, quand il s'est né des enfants, quand il a 3 ans, 10 enfants, les fils, peut-être fils, peut-être fils, les fils à un an. Les fils, c'est toi qui hérites d'avoir hérité. Tu as 10 enfants, 10 hommes d'enfants, ils ont ça que vous dites là-dedans. Un an, j'ai ma vie. Mais quand il est un grand garçon, 25 ans, les papas, signe papier papa. Il n'y a pas de responsabilité. L'air là, il fils toujours. Il n'y a pas de fils. Il n'y a pas de fils. Mais il y a un fils responsable. Que de responsabilités. Quelle responsabilité? Vous êtes venu quand même. Travail pour Jésus. C'est l'unité avec le Christ là. Faire du monde croire que bon Dieu, tu envoies Jésus. Mais qu'est-ce que tu existes? Mais ta vie, tout est là. Mais c'est pas l'amour qui ne est là, qui est toutes les notions, ça c'est une chose importante, très importante, qui coupait dans l'autre, nous connaissons avec Jésus. Comment nous connaissons Jésus? Bon Dieu, tu es celle avec Jésus. Il connaît tout. Moi, je ne connais pas tout, c'est pas. Je ne connais pas tout, moi. Je connais, mais pas tout. Jésus, tu connais tout. Jésus, Dieu, elle arrive à un moment dans l'évangile. Je dis, je te crée, et lui qui compte tout ce qui t'y passait dans la pensée d'un homme depuis le commencement. Mais c'est pour ça, ni poser question, ni donner le témoignage, il savait la personne. Amen. Mais je ne veux pas faire comme ça, ni de là, ni d'autre non plus. Et puis ce qu'il dit, bon, je sais que Dieu dit ça là. Je ne veux pas le savoir seulement avec lui là. Il dit, ça, papa, qui n'a pas envoyé moi là. J'ai avec moi là, c'est pas vraiment le fait que Dieu est dans le fond de moi. C'est ça qui me fait bien de la bonne chose dans cette vie-là. Et si vous avez un prédicateur comme ça, vient de l'église comme ça, le monde comprend que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Je comprends ça, l'unité de la frère de soeur. Allez, vite, parce que moi, il n'y a pas de parole pour Dieu. Amen. Jean 5, 17, 19 à 26. Au bien content, vous avez mis mon avis, ça consisterait dans vos prédications. Aujourd'hui, midi, nous finissons. À moi, ça te fait une excuse, nous, des erreurs. Ça, toujours, vous imaginez ça, hein? Personne ne peut avant l'air, aujourd'hui, nous parlons ensemble. Là. Alléluia. Si ça te fait une excuse, nous, on s'est dit ça, oui. La personne ne peut pas aller. Correct. Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père, écoute bien, mon rédiazote l'Écriture, avec parole parlée, avec cette inflexion, la voix, il y a une autre affaire. » Amen. C'est si fin écrit dans l'être, peut-être qu'on vient de l'autre. Ce papa dit, « Peut-être qu'on vient de l'autre. »
il dit papa, papa, Dieu, c'est petit temps que l'autre l'aime qu'à l'autre. Ça, c'est quoi le lien sur ce que moi, que j'ai. Il dit papa, tu dis que tu m'aimes mal, c'est ça. Le gars n'est pas batté. Tu trouves que c'est là, il y a une autre. Tu lis, c'est un, que c'est lui qui lui fasse attention. Mais Jésus leur répondit, mon père agit jusqu'à présent, et moi aussi j'agis. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon père agit, c'est vrai, ou lire le chrétien ou dépasse le chrétien. C'est déjà le chrétien au blanc. Ou bien il y a cet esprit bizarre, comment tu as refait ou t'as mis ça? Là, on rentre dans la scène, là, comment tu as ici ou tu as la foule, là, ou ici ou tu l'as. Et t'as mis Jésus, que c'est celui qui entend, la foi vient de ce qu'on entend. Mais Jésus a répondu, mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Amen. Qui fait ça? Qui fait l'idée? Mon papa agit jusqu'à présent, moi aussi, moi j'y. Moi, c'est quand? J'agis. J'agis. Qui fait? Parce que c'est simultané d'une vitesse incroyable, d'une unité impensable. Non seulement ce qu'il entendait la veille dans la prière à soi. Non seulement ce qu'il entendait le matin dans la prière. Non seulement ce qu'il entendait le matin avant de venir la paix dans le ciel. Beaucoup de conversations de l'avant venu. Amen. Non seulement ce qu'il entendait le matin une semaine avant. Mais ce qui bon Dieu peut dire l'île là. Donc, il y a une communion. Quand le Seigneur fait une tanne des choses la veille, le soir, dans le ciel avant de venir, mais qu'il est étendu là. Amen. Comment dire, moi, je suis dans les affaires pour que je comprenne vos pensées. Comment dire, des gens de ma enfants, invisibles et invisibles. Alors, pourquoi on y est là? Bon, c'est tout le monde qui ne peut pas dire Amen, mais tout le monde comprend. Les humains de mon sang, invisibles et invisibles. Ceux qui sont invisibles, ils disent, tout ça vie. Qu'est-ce que Dieu dit là? Consolera-ni. Amen. C'est sa parole là, sur nous. Attendez, il y a tout ce fait à loin de vous. Mais là, il fait lui. Moi et mon papa, même seul. Et quand moi et Jésus nous réunissons seul comme ça, il y a réduit seulement là, pour arriver à folie là. Le monde, pour croire, qui te l'envoie, moi. Nous avons là, c'est l'unité qui nous prenne à l'amour, là. La moula. C'est l'amour qui dépasse l'émotion, le côté émotif. Vous pouvez prendre du monde émotif, prendre la poussière, lève la guerre. Prendre du monde, il y a l'émotion, c'est pas nous prendre pour nous, pour pleurer, nous les cas gros parfois, même moi, les cas gros parfois. Sinon, on va pas les suivre une plus gros qui mot spiritualité. Pas moi la tête, hein. Jusqu'à présent, jusqu'à quand il était. Maintenant, jusqu'à présent. Je peux être dans le chemin présent parce que ça, l'éternité dans le monde va prendre ça. C'était vrai. Christ crucifié quand le Golgotha avant la création du monde. C'est que le débat qui a bondi est une déjà crucifié. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans la bonne? Exactement le calvaire. Quand la vie de mon pianiste, certainement. Mais il n'y a pas de cause de pianiste, il n'y a pas de cause de la vie, mais il y a de cause jusqu'à le temps présent là. Mais c'est pas que bon Dieu me cause à moi, toute sa prédication là, bon Dieu me cause à moi, toute la semaine, hier, bon Dieu me cause à moi, avec Texan encore. Et pour nous la peur de hier, là-bas, mon santé aussi, mais mon dans la prière. Tout ça là bien joli. Mais comme on peut causer là, dire cause en moi encore à travers ma bouche. Je comprends. Jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Le Père agit. Ce qui veut dire que le Père agit, moi j'y. Jésus, c'est un faculté pour l'invisible, ressentir. Je comprends ça, une vie là qui veut dire. Mon corps, il y a une grande quelque chose après 19 à 26. Même. Et Jésus répondit, Jésus a pris la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut
rien faire de lui-même. Et le fils fait tout. C'est paradoxe. Hein? Ça même t'appelle paradoxe de paradoxe. Le fils ne peut rien faire et le fils fait tout. Les savants couplent ça avec un logique. Le fils ne décide rien, le père décide tout. En vérité, le fils, le père ne veut rien. Le père décide. Et la l'unité extraordinaire, un seul Dieu. C'est notre Dieu. C'est le Dieu des chrétiens. Le fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au père comme là, il décide. Avant, il avait, oui. Mais là aussi, en même temps, il n'y a jamais. Vous comprenez mon métier? Jésus est là. Vous pouvez construire beaucoup. La fille, il est bien là. Il n'est pas juste là. Allez, tenez, mon construire beaucoup, mon construire encore plus beaucoup. Il n'est pas juste là, dis-en moi. Radio frère, il y a un peu ici. Ah, là, c'est Amen. En vérité, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Quand le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, quand le Fils le fait, et lui montre, c'est le présent, ça. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Alléluia. Quand le Père aime le Fils et lui montre, tout ce qu'il fait, on appelle ça le présent de l'indicatif. Ça veut dire right now. Amen. Et lui montrera. C'est sûr. Ça veut dire papa pour continuer ça. Pas peine là. Hier, quand vous typez, répond le message dans la prière, ça m'olène mini. The pattern of God. Écris ça. God is a pattern of doing things, une manière de faire des choses. Tu rentres là-dedans ou tu miracle. Alléluia. Tout ce qu'il fait, il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Amen. Alléluia. Et donc, pour vous, 26, non, hein? Quand le Père ressuscite le mort et donne la vie aussi, il donne la vie à qui il veut. Le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Mais continuez. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Tiens le Fils, mette mon nom. Tiens le Père, mette Jésus. Tout reste pareil. Vous parlez au moins, vous parlez au Jésus. Hein? Vous fatiguez, Jésus, vous fatiguez. Jésus béni, moi, ils sont bénis. Ah, ben, pas comme Jésus. Au béni au nom de Jésus. Afin qu'il soit moi en eux, comme toi en moi. Et mon nom, tout proportion gardée, tout ça, c'est gardé, toute humilité gardée. C'est ça qui fait le monde croire. Non seulement un amour d'Antonio qui dépasse l'émotion, on veut dire, qui dépasse les fiagos, qui reste uni quand même malgré tout. Ensuite, et là, c'est un grand nom qui doit trouver. Mais Jésus, on lit ça, t'as lu, mais jusqu'au Jésus, il dit, là, qu'est-ce qu'on a guéri, ça n'a avancé, ça n'a sauvé, amen, que ça n'a, hein, il s'appelle dans la mort. Alléluia. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous continuons. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'ont entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. On continue. Alléluia. Merci Seigneur. C'est tout. Écoute-moi bien. Je viens déjà écouter. C'est pour Jésus qui nous a fait pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus dit pour faire l'œuvre de Dieu.
cause et je vous ai dit, venez, priez mon sang de nous pour être dotés et nous plus fidèles. Que tu peux attendre ça, je. Ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ah, ça, oui, ça. Seulement faire l'œuvre de Dieu, c'est prêcher, c'est la work, elle travaille beaucoup là-dedans. Mais essentiellement, c'est faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en celui qui l'a envoyé. Tout ça. Le Fils de Dieu, le central. Mais la question de Dieu, vous parlez de la même. Le Fils de Dieu, c'est la source. La puissance, la source en parole. J'aime pas faire l'œuvre de Dieu là, ça. Tout ça, je passe par Jésus. Tu dis que le Père dit à toi de retourner à mon Fils, quand tu dis le Fils de Saint-Esprit. Quand le Fils de Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit danser avec le Fils. Alors, ne donne pas parole, ou Dieu. Celui qui croit en lui et qui fait accepter lui, il est de nouveau. Et ça, tu es de nouveau. Pas Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est l'île de nouveau. Le croyant en Jésus, il accepte Jésus, l'île de nouveau. Celui qui croit en moi de faire de vie pour le faire de vie de Saint-Esprit. Quand vous avez le Père, il y a tellement power. Père, tu es la source, c'est mon Fils. Tu viens dans le Fils. Comment tu crois dans le Fils de Saint-Esprit? Ce qui veut dire le Père de le Fils, non seulement je t'aime, mais que tu crois en presque immédiatement, pas presque immédiatement, immédiatement. Celui qui accepte Jésus, lui, ne nous veut pas le Saint-Esprit. Celui qui accepte Jésus, de faire de lui, ne connaît pas le Saint-Esprit. Vous comprenez, frères et sœurs? Alléluia. On va continuer à notre jour. Mais ce que je voulais dire aux autres, il a des paroles étonnantes. Extraordinairement étonnantes. Il dit, si mon Dieu ne m'a pas connu, mon point menteur. Pareil comme un autre. Mais moi, mon connu. Jamais je t'ai tout sa face. Et jamais je t'ai pas connu sa forme. Il dit, moi, mon trouve. Celui qui connaît, personne ne pas connu le Père. Si ce n'est le Fils seul. Personne ne pas connu le Fils. Si ce n'est le Père seul. Alors dans l'univers, il a dit, mon Dieu, je te. Et le Saint-Esprit qui est au milieu fait ce miracle-là. Comment autour nous, il a une autre power. Quand cet esprit finit, on lui dit, quand cet esprit, Et les trois agirent ensemble. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Papa, tu là. Papa, t'a causé. La lumière fut. La source, c'est Jésus. Et sa oneness là, c'est l'amour, dépassant l'émotion. Ensuite, c'est Christ est avec moi. Maintenant, vous reconnaissez, ça, madame l'a dit à Élie, le nom de Dieu. Il y a avec Jésus 3 ans et demi. Et donc, prépare la croix, tout. Le diaspora, le croix, qui te connu toutes choses. Mais qui est arrivé? La plupart d'entre eux croient que moi, un homme de Dieu, me croit. Mais peut-être, il y a 1%, peut-être 2, qui croient que moi, un homme de Dieu. Seulement, je ne suis pas persuadé. Un jour viendra que je peux dire, cet homme est un homme de Dieu. Je crois ça. Moi, je connais mon homme de Dieu, mais c'est mon voyage ça pour ça, ND, qui peut être encore. Pas trop, je crois. Je ne vais pas dire que je vais me grandir. Juste, je te dis aux autres qu'il y a un moment de la vie que tout le monde besoin de dire ça à deux autres. Amen. Si c'est un homme qui est un homme, je ne sais pas si c'est un homme. Je ne sais pas si c'est un homme. Je ne sais pas si c'est un homme. Amen, mon Dieu, ça même ça. Alléluia. Je pense que c'est ça de nous. Et c'est ça.
qui je t'enseigne à moi, et que moi, je t'enseigne à toi, ou que moi, je t'enseigne à toi. Je dis ça, c'est un big love. Qu'est-ce un big love? De par son émotion. Mais c'est pas un big love. Il y a une présence. Quand vous causez, quand vous chantez, quand vous voyez, où fait une présence, apporte un parfum. Christ est avec lui. À nous, Père, la colère.